Good morning, allez, Iden et Tissot aujourd'hui, les Lunishmat, François Vajib Ben Hanak, Janine Ruth, Batfortuna Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Péa Perik Bet Mishnah Bet, Amatamaim She'en Aïchola Le Hikatser Keachat. Rabbi Yehuda Omer Mapseket, Dechol Heharim Asher Be Ma'der Yehadehun, Afal Pishena Bagar Yehola Vor Bekelav, Hun Oten Péa Lakol. On continue dans notre Mishnah les points évoqués dans la Mishnah précédente avec une précision supplémentaire et un nouveau cas à comparer. Soit, on avait appris dans la Mishnah précédente que la Torah nous a dit « Uvkut sechem et ketira sechem lo techale peat sadecha likzo » Quand tu cueilleras ton champ, tu n'achèveras pas ton champ, la Torah insiste « ton champ » à le cuire entièrement, il faudra lui laisser un coin. Tu laisseras un coin pour les pauvres. D'accord? On a un insistant sur ton champ, à savoir, donc, de là à découler la racha, que si tu as deux champs mitoyens même, ou bien même un champ mais qui est interrompu par quelque chose, qui a quelque chose qui va le scinder en deux champs, par exemple, ça peut être un fleuve qui passe, ou bien même une route qui passe en plein milieu, ben ça s'appelle deux champs. Et dans celle-là, lorsque tu as deux champs, tu ne donnes pas la paix à d'un champ sur l'autre. L'obligation de donner dans chaque champ, de donner une PA. Et dans la Mishnah précédente, donc, on a évoqué toutes sortes de situations, de choses qui interrompent, qui vont couper le champ en deux. On avait dit, ve'elu mafsikin les PA. Ce sont des choses qui vont interrompre, scinder le champ en deux pour la PA. On a une première précision qui va venir sur notre Mishnah. Dans la Mishnah précédente, on avait vu que si tu as un ruisseau qui passe, même une amatamaïm, c'était de l'eau, un petit canal qu'on irriguait, on faisait passer, elle faisait une amas, c'est pour ça que ça s'appelle une amatamaïm, elle faisait une amas de large, une amas en profondeur, et tout le long, une amas c'est 60 cm, une coudée, et ça interrompt, ça va couper le champ en deux, c'est ce qu'on avait vu. Et bien figurez-vous qu'en réalité, il y a une machloquette sur ça, parce qu'il y a Rabbi Yehuda qui va discuter, qui va nous dire, amatamaïm shenoy ena yechola li katser keachat. Je traduis d'abord, si on a une amatamaïm, un petit canal d'eau, qu'il ne peut pas cueillir tout d'un coup d'elle. Phrase un peu bizarre, on va expliquer c'est quoi. Ben, Rabbi Yehuda me dit, ben, ça c'est mafsik. Ça, si tu as un ruisseau ou un canal d'eau qui interrompt tellement ton champ de manière à ce que tu ne peux pas tout cueillir d'un coup, ça veut dire quoi tout cueillir d'un coup, on va voir, et bien ça interrompt. Donc une petite âme, un petit canal, un petit ruisseau qui passe, mais qui ne va pas tout couper ton champ de manière à ce que tu peux, oui, tout couper d'un coup. Alors, c'est quoi tout couper d'un coup? C'est simple, c'est expliqué dans le Barthénora, selon Rambam aussi, c'est que tu te mets au milieu de la Matamaïm, du petit canal. Si tu as un canal qui fait, je ne sais pas moi, 1,5 m de large, mets-toi au milieu, et regarde, est-ce que tu réussis, depuis ta place, à cueillir à droite et à gauche? Si oui, donc tout est considéré comme un champ, ce n'est pas une interruption, une coupure assez importante, et tout est considéré comme un champ, tu laisses la PA d'un champ sur l'autre. Pas comme ce qu'on a vu dans la mission précédente, on avait vu qu'on avait Amatamaim et Shelulitamaim qui vont interrompre, qui vont couper le champ. Là, on a Rabbi Yehuda qui va nous dire non, je ne suis pas d'accord. Tout dépend d'un point essentiel. Est-ce que si tu te mets au milieu de la hama, est-ce que tu peux cueillir à droite et à gauche? Tu te mets au milieu du petit canal, est-ce que tu peux cueillir facilement? Si tu réussis à cueillir facilement, donc ça n'interrompt pas. Et là, la halakha est établie comme Rabbi Yehuda, figurez-vous. Donc réellement, le petit canal ne va pas interrompre, couper le champ. Deuxième sujet de notre Mishnah, je vais d'abord traduire une phrase assez compliquée à traduire, mais toutes les montagnes que par une pelle, elles vont se faire couper, phrase un peu bizarre, donc on parle qu'on a ici une montagne avec une montagne qui va se faire aplanir à un moment. Eh bien, Afalpi Shana Bakar Echola avant Bekalav, bien que le troupeau, ou plutôt je dirais la machrecha, la laboureuse, elle ne peut pas passer avec d'un côté, d'un versant sur l'autre, ou Noten Péalakol et Noten Péalakol. J'ai expliqué un petit peu mieux de quoi on parle d'abord la situation, et après on explique la raison. On a ici, on est dans une zone montagneuse. Donc on a maintenant, moi j'ai un immense champ, mais que
La partie, elle est sur un versant de la montagne, et l'autre, et ça fait un pic, et après ça redescend de l'autre côté. On a comme ça. De manière à ce que lorsque je viens avec ma charrue et les bœufs qui tirent la charrue, donc, ou bien la machécha, la charrue qui va, avec laquelle on laboure la terre, elle ne réussit pas à passer d'un côté sur l'autre. Forcément, elle arrive jusqu'à presque tout en haut, mais elle s'arrête, elle fait demi-tour, elle redescend, et puis après, elle va de l'autre côté du versant de la montagne, elle rentre par l'extérieur, elle arrive, elle grimpe, elle arrive jusqu'à presque tout en haut, puis après, elle fait machine arrière. Il s'avère qu'en fait, on a maintenant, moi je possède un champ qui est sur deux versants de la montagne, avec une crête tout au long, qui m'empêche de passer d'un côté à l'autre. Tout m'appartient, est-ce que c'est considéré comme un seul champ ou comme deux champs? La Mishnah va me dire ce qu'on considère comme un seul champ. Avant d'expliquer, d'abord, je préfère bien mettre en exergue la problématique. On avait vu dans la Mishnah précédente que si moi j'ai un champ, mais que je décide en plein milieu de laisser même 4 amotes, comme ça, une bande que je ne vais pas labourer, je veux la laisser en friche, en plein milieu. Ça interrompt, c'était le débour. On avait vu, il y avait un des cas qui était Véabour. Le fait de laisser un champ en friche, ça interrompt. Ça coupe le champ. D'où la problématique. Si moi, je suis dans une montagne, en théorie, j'aimerais bien tout labourer d'un coup, mais je n'ai pas les moyens de tout labourer d'un coup parce que la montagne, elle se finit en crête. Et je ne peux pas passer avec les bœufs et je ne peux pas passer d'un côté à l'autre. Du coup, j'arrive, je m'arrête à 1 mètre du sommet et je redescends. Comme ça, je laboure. Et après, je vais de l'autre côté et je laboure de l'autre côté sans pouvoir atteindre le haut de la charrue, le haut de la montagne, la crête. Donc, il s'avère que maintenant, j'ai une grande interruption, moi, entre les deux champs. Est-ce que ça en est considéré comme un champ ou deux champs? Alors, en théorie, vous auriez dû me dire, bien sûr que ça va être considéré comme deux champs. C'est comme le cas de la Mishnah précédente avec Ribourg. Eh bien, figurez-vous que la Mishnah dit, non, ça n'interrompt pas la PA et tu peux redonner une PA pour tout. Par question fondamentale, c'est pas logique. Qu'est-ce que ça change? J'ai laissé maintenant 4 amotes en friche. Dans la Mishnah, Aleph, tu me dis que si tu laisses en se débourg, si tu ne veux pas en faire de PA, si tu laisses un débours, ça va couper le champ en deux, donc tu es imposable de 2 PA, et notre Michel vient me dire, non, tu sais, si tu as laissé, concrètement, tu pouvais pas passer d'un côté à l'autre, donc du coup, il s'avère que tu as laissé maintenant même 4 amotes qui n'ont pas été labourées, eh bien, sont considérés comme un seul champ. Quelle est la différence fondamentale entre les deux? Là, c'est la Michel qui m'a dit, à Charbema, derrière des rounes, que tout celui, regardez, c'est très important de comprendre, que le regard externe, cette fois-ci, il est très influent pour définir ce que sont considérés comme un champ ou deux champs. Lorsque tu as un champ et qu'en plein milieu tu as décidé de t'arrêter, celui qui vient de côté qui dit « Pourquoi il a coupé ça en deux ?»« Ah, il a voulu, il veut faire deux champs ici. Il veut faire du blé et du blé. » Non, oui, il a fait deux fois du blé. Mais en tout cas, c'est deux champs distincts parce qu'il n'avait pas de raison de s'interrompre et de ne pas semer le milieu. Alors que si jamais on se retrouve en haut d'une montagne, et donc, tout celui qui voit la scène, il comprend tout à fait. On dit, bien sûr, ça appartient à une seule personne. Ce qui se passe, c'est que concrètement, il y a cette crête de la montagne qui l'empêche de labourer. Mais c'est sûr que, par la force des choses, c'est sûr qu'il va prendre un moment une pelle, il va commencer à raser la montagne, à raser cette crête de manière à ce qu'il va pouvoir passer avec, d'un côté à l'autre. Donc là, le regard externe, il va regarder cette scène, il va dire, ah, c'est sûr que c'est un seul grand champ avec un problème technique au milieu. Si tu as un problème technique au milieu pour lequel tu n'as pas labouré, ton champ, alors ça va pas interrompre, ça va pas couper ton champ en deux. Ça coupe le champ en deux que si c'est pas logique ce que tu as fait, donc tu as coupé le champ en deux. Mais s'il y a une certaine logique, pourquoi tu l'as pas fait tout d'un coup? Et que c'est sûr qu'à un moment, en plus, ça va se faire tout de même. Peut-être pas cette année, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais il y aura un moment où on voudra sauver même ces 4 amotes, et puis tu vas finir par raser la montagne. Donc celui qui est de côté, il voit qu'il y a ici, concrètement, concrètement un seul grand champ, avec un problème technique au milieu qui sera résolu au fil du temps. Donc dans ce cas-là, il y sera une PA pour tout. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.